C'est vraiment un honneur et un privilège de pouvoir être à nouveau là ce matin. It's a real privilege and honor to be here again with you this morning. Je tiens vraiment à remercier l'équipe des responsables pour la confiance que vous m'accordez de me laisser le pupitre ce matin. I really want to thank the leaders of this church for giving me this privilege this morning. C'est un honneur et un privilège de partager la parole ce matin. It's a real honor and privilege to be sharing the word of God with you this morning. Parce que c'est la première fois que je vais partager la parole devant mon oncle et ma tante. Because it's the very first time that I'm actually sharing the word of God in front of my aunt and uncle. J'avoue, j'ai un petit peu de pression là. So I've got a little bit of pressure. J'étais pas du tout au courant qu'ils seraient présents. I didn't even know that they'd be here this morning. Et c'est un honneur et un privilège de pouvoir être là ce matin. It's a real privilege and honor to be here this morning. Parce que je suis accompagné de ma femme pour partager ce message. Because I'm also accompanied by my wife to share this message. Mais vous avez pu constater qu'on n'est pas tout seul. But you can tell that we're not alone, completely alone. Quelqu'un qui s'est incrusté. Somebody's been added to the family. Combien d'entre vous étaient présents l'année dernière lors du message que j'ai partagé au mois d'août? How many of you were present last summer for the message I preached in August? OK. Pour les personnes qui n'étaient pas présentes. For those of you who weren't there. L'année dernière avec Rihanna, on a partagé notre témoignage. Last year, Rihanna and I shared our testimony. À travers un message qui était l'espoir appelle la foi. Through a message that was entitled Hope Calling Out to Faith. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les messages de l'église sur la chaîne YouTube Le Bon Berger TV. So if you're interested, you can watch all of the previous church messages on the church's YouTube channel Le Bon Berger TV. Mais pendant ce message-là, en fait, avec Rihanna, on partageait une expérience dans laquelle on était en train de passer. And during this message, Rihanna and I shared how God was moving in our lives in a particular way at that time. Et sans vouloir refaire tout le message, en fait, deux jours avant ma prédication. But without going into many details, 2 days before that preaching last summer, on apprenait avec Rihanna qu'elle faisait une fausse couche. We had found out that Rihanna had a miscarriage. Donc ça a vraiment été un moment très compliqué pour nous. So it was really a very difficult time for us. Beaucoup d'incompréhensions se sont levées. A lot of doubt and incomprehension was in our hearts. Et quelques temps après cette étape-là, on a dû retourner voir le gynécologue. And a few days after that event, we had to go see the gynecologist again. Pour s'assurer que tout avait été correctement expulsé. To make sure that everything had been expelled from the body. Et ce jour-là, le gynécologue nous a dit, écoutez, généralement, il faut environ 18 mois pour pouvoir à nouveau être enceinte après une fausse couche. And the doctor had told us that, usually speaking, you need about 18 months, it takes about 18 months again to be able to bear a child again after miscarriage. Et en rentrant à la maison, je disais, j'ai pris un temps avec le Seigneur et je lui dis, écoute, papa, 18 mois, c'est trop long. And when I went home, I was praying and I said, Heavenly Father, really 18 months is much too long for me to wait again. J'ai pas les épaules, j'ai pas la force nécessaire pour attendre 18 mois. I don't have the strength or the patience to wait for 18 months again. Donc Seigneur, il faut absolument que tu me donnes une parole précise sur laquelle je peux m'accrocher pour garder espoir. So Lord, you really have to give me a word that I can hold on to in order to stay hopeful. Et le Seigneur m'a dit, Rihanna sera enceinte avant la fin de l'année. And the Lord told me, Rihanna will be pregnant again before the end of the year. Et dans ma tête, c'était septembre, la fin de l'année. And so I was thinking, okay, September, it's a done deal. Mais au mois de septembre, Rihanna a eu son rendez-vous mensuel, on va dire. So in September, Rihanna had her regular checkup. En octobre, elle a encore eu son rendez-vous mensuel. In October, sorry, she had her monthly visitor. En novembre aussi. In November as well. Donc je me dis, elle fait exprès de prendre rendez-vous ou So I was thinking, wait, why is this visitor coming every month again? It's not supposed to. Et on était au mois de décembre et là c'était vraiment un tournant pour moi. Il fallait absolument que Rihanna m'annonce qu'elle est enceinte au mois de décembre. And in December, I was really expecting Rihanna to tell me that she was pregnant because it was basically the last moment of the year.
Et Rihanna a encore pris rendez-vous. And Rihanna had the visitor, the monthly visitor again. Je trouve que c'est très poétique de parler de ça avec un rendez-vous. It's very poetic to just say visitor. J'ai vu qu'il y a mes petits neveux, c'est pour ça que je donne une version soft. I see that there are children in the room, so I won't go into any detail. Mais quand j'ai vu que Rihanna avait eu à nouveau son rendez-vous, j'étais vraiment, j'ai perdu espoir et j'étais découragé. But when we saw that, I was really discouraged and I really lost hope. Et donc je suis parti manger au restaurant avec ma sœur Sabrina. And I went to eat at the restaurant with my sister Sabrina. Et ma sœur, c'est un peu mon journal intime. Quand ça va pas trop, bah c'est toujours la personne vers qui je vais me diriger pour. C'est la seule qui m'écoute. Non, je plaisante. So my sister Sabrina is kind of like my diary. When things go wrong, she's always there to listen. Non, mais elle a toujours de très bons conseils à m'apporter. She always has very good advice to give me. Et en fait, ce jour-là, je me rappelle, on était donc au restaurant. I remember that day we were at the restaurant. Et Sabrina a vraiment été utilisée puissamment par le Seigneur. And Sabrina was really used powerfully by God. Et je ne sais même pas si elle en a eu rendu compte, si elle s'en est rendu compte. And I don't even know if she was aware of it. Et donc je lui explique que je commence à douter de ma faculté à pouvoir entendre la voix de Dieu. So I was explaining that I was really doubting in my ability to hear the voice of God. Pour moi, c'était pour la fin de l'année et voilà, rien n'a eu son rendez-vous, donc ce ne sera pas pour cette année. I thought that God had told me that Rihanna would be pregnant by the end of the year, but obviously not yet, so I was really confused. Et à ce moment-là, Sabrina, et je crois sincèrement du plus profond de mon être que c'est vraiment le Seigneur qui a parlé à travers ma sœur. And so then Sabrina spoke, and I really believe that God was actually speaking through her. Elle m'a dit, mais le mois de décembre n'est pas terminé. She told me, well, the month of December isn't over yet. Et instantanément, une flamme s'est rallumée en moi. And instantly, a flame started burning in my heart again. Et j'ai de nouveau retrouvé l'espoir. And I found hope again. Et donc, on arrive au mois de janvier. So we're in the month of January. Rihanna fait un test de grossesse. Rihanna does a pregnancy test. Il est positif. And it's positive. Beaucoup de joie. A lot of joy. Et en même temps, avec ce qu'on avait vécu, un peu de crainte. But at the same time, because of what we had experienced previously, we were a bit fearful. Et donc, on a été au premier rendez-vous pour confirmer la grossesse. So we went to the first appointment to confirm the pregnancy. Et donc le médecin nous dit le jour où Rihanna est tombée enceinte. And so the doctor explains what date Rihanna actually got pregnant. Et dans ma tête, il fallait pas que ce soit le 1er janvier. And in my mind, I couldn't believe that it could be the 1st of January. That wouldn't be possible. Parce que le 1er janvier, c'est déjà le début de l'année. Because 1st of January is already next year. Et là, le docteur nous annonce que donc la date de grossesse date du 22 décembre. And so then the doctor explained that the pregnancy actually started on December 22nd. Donc non seulement j'étais heureux parce que Rihanna était enceinte. So not only was I glad because Rihanna was pregnant. Mais en plus de ça, j'étais rassuré parce que le Seigneur m'avait bien parlé. But I was reassured because the Lord really did speak to me. Et vous savez, c'est très intéressant parce que dans 3 semaines, si je dis pas de bêtises. And you know, it's really interesting because in 3 weeks. Peut-être 4. 4 weeks. Rihanna et moi, on va fêter nos 4 ans de mariage. We are going to be, Rihanna and I are going to be celebrating our 4 years of marriage. Et chaque année, on a eu une péripétie. And every year, we really had a challenge. Chaque année, on a vécu quelque chose qui paraissait difficile. Every year, we really experienced something that seemed very difficult. Notre première année, on était dans un 18 mètres carrés, on venait de se marier. In the first year, we were living in a studio apartment of 18 meters square. We were just married. On découvrait la vie de couple. We were discovering what life as a couple is. Mais en même temps, on découvrait la vie où nos temps avec le Seigneur étaient bousculés. And we also experienced the time where our personal time with God was a bit challenged. Et je me rappelle qu'à cette époque, on allait
chacun notre tour dans les toilettes pour pouvoir passer notre temps avec le Seigneur. And I remember the two of us would sort of switch, taking turns to go to the bathroom in order to spend our personal time with God. C'était vraiment petit. It was really small. La deuxième année, on a vécu des péripéties financières. Second year, we really experienced very big financial challenges. C'était vraiment très 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 compliqué. It was very difficult. Et l'année dernière, on a vécu cette épreuve de fausse couche. And last year, we had this, we experienced the challenge of a miscarriage. Et après cette fausse couche, on a vécu d'autres péripéties qui ont été vraiment très compliquées pour nous. And after this miscarriage, again, we encountered other very big challenges that were very difficult for us. On est parti à Houston au mois de novembre. We went to Houston in the month of November. Et là, c'était vraiment le calme après la tempête. And that was really the calm after the storm. Depuis notre retour de Houston, since our return from Houston, on vit vraiment bénédiction sur bénédiction. We were really experiencing blessing after blessing. Rihanna a un nouvel emploi. Rihanna has a new job. Où elle gagne plus et elle travaille moins d'heures. Where she's earning more and working less. Mon business est en train de fructifier. My business is also flourishing. Rihanna est enceinte. Rihanna is pregnant. Et plein de petits détails dans notre vie qui font que on voit vraiment qu'on est dans une saison où on est en train de récolter. And we're really experiencing a season where we're seeing that we're really reaping everything we've sowed. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, but what's really interesting in this, c'est que pendant ces trois années où ça se bousculait dans tous les sens, is where in the past three years where we were really tried on every side. On avait une intimité particulière avec le Seigneur. We really had a special intimacy with the Lord. Et c'est la saison où nous avons le plus grandi spirituellement. And it was really the time where we grew the most in the Lord. C'était vraiment la saison où le Seigneur nous a forgé. It was really a season where God was working our character. Et là, pendant cette saison où c'est un petit peu plus calme, and now during the season where it's a bit calmer, notre relation avec le Seigneur est différente. Our relationship with the Lord is a bit different. Tu veux faire une petite pause pour boire? C'est bon. Et en fait, le Covid est arrivé. And then COVID came. Quelques mois avant, le pasteur Robert m'avait donné la responsabilité de la communication de l'église. A few months prior to that, the pastor Robert had given me the responsibility of communication in the church. Et je peux vous dire qu'avec l'équipe, on a dû bosser. And I can tell you that during the COVID, our team really worked hard. 7 jours sur 7, on était sur le culte du dimanche, la communication, le talk show. 7 days a week, we were working on the Sunday service, on internet communication and on the talk shows. Juste pour vous donner un petit exemple pour les vidéos que vous pouviez voir le dimanche matin. Just to give you an example, the videos that you could watch on Sunday mornings. Ça nous prenait du mercredi au samedi pour réaliser tout ça. It took us from Wednesday to Saturday every week to produce those videos. Donc tout ça pour dire que ça prenait vraiment tout notre temps. It really just to show you that it really does take a lot of time. Et petit à petit en fait, ce temps de ministère. And little by little, this time of ministry. A commencé à devenir notre temps de culte avec le Seigneur. It sort of took the place of our personal time with God. Et on a vraiment vu que il y avait un problème. And we really saw that there was a problem. Un problème pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait plus vraiment d'intimité avec le Seigneur. There was a problem because we kind of lost our intimacy with the Lord. On se contentait de faire une courte prière le matin et lire un petit passage de la Bible. We would content ourselves with just reading a Bible verse in the morning and doing a short prayer. Pour faire les bons chrétiens. To be good Christians. Mais on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. But we could feel that there was something missing. Et donc quand les cultes au mois de mai ont repris. So when the services in May started up again. Le Seigneur m'a demandé que tout le foyer fasse un bon, on est que deux mais que on fasse qu'au mois de juillet, on prenne un temps de repos et de jeûne. So, the Lord told me that our household, so the two of us, should do a time, set apart a time of rest and fasting in the month of July. Donc, on est parti trois jours en vacances au début de juillet. So, we had a three-day vacation at the beginning of July. Et après, on est rentré dans ce jeûne. And then we started fasting. Pour vraiment
écouter le Seigneur. To really listen to the voice of God. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une liste de tout ce qu'on voulait faire pour le mois de, à partir de septembre. So what we did is we started writing a list of everything that we wanted to do starting the month of September. Parce que le Seigneur nous a montré que le jeûne de Daniel en septembre risque d'être compliqué pour nous. Because the Lord showed us that the Daniel fast scheduled in September might be a bit different for us this year. Parce qu'on sera sûrement trois. Because we might be three. Donc ça sera un nouveau rythme de nouvelles choses à apprendre. So it'll be a new rhythm and a lot of new things to learn. Donc je suis pas en train de dire qu'on va pas faire le jeûne. Hein. I'm not saying that we're not going to do the fast. Et on a fait toute une liste de ce qu'on voulait faire et on a classé ça dans ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on voudrait faire. And so we did a list of everything that we'd like to do and we had to categorize them in three different groups, what we must do, what we can do and what we want to do. Et on a dit, OK Seigneur, voilà avec notre intellect ce qu'on a réalisé, maintenant on veut vraiment que ce soit toi qui nous dise précisément où tu nous veux cette année. And so we really put this list before the Lord and we asked, okay, Lord, this is everything that we have in mind, but you have to show us what exactly you want us to do this year. Et la première chose que le Seigneur nous a dit, and the very first thing that the Lord told us, avant de chercher cette liste, cherchez mon cœur. C'est dans l'intimité que vous connaîtrez mon chemin pour vous. J'ai des projets à vous partager, des précisions à vous donner, mais la relation que vous entretenez avec moi aujourd'hui n'est pas suffisante. Pour là où je veux vous amener demain. Vous devez payer un prix pour vivre votre destinée. And so the Lord told us, before seeking this list, seek first my heart. It is in intimacy that you will know my ways for you. I have things to share with you, details to give you, but the relationship you have with me is not enough for where I want to take you tomorrow. You have to pay a price to live out your destiny. Alléluia, Seigneur, je veux te remettre ce moment maintenant entre tes mains. Lord, I want to commit this time in your hands. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets d'être tous là ensemble. Thank you, Lord, because you allow us to be all here present this morning. Et Seigneur, que ce soit dans la salle ou sur Internet. And whether it be in the room or by Internet. Je te demande maintenant d'ouvrir nos oreilles. I really ask that you would open up our ears. D'ouvrir notre cœur, Seigneur. Open up our hearts. Et de nous rendre réceptifs à ce que tu veux nous partager ce matin. And help us to be receptive to everything that you want to show us this morning. Seigneur, je prie que personne ne reparte comme il est venu. I pray, Lord, that nobody would leave this place the same that they came. Et que tu scelles toute parole qui sera dite, Seigneur. And that you seal every word that will be shared this morning. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. In the powerful name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Pourquoi je vous partage tout ça? Why am I sharing you, sharing all of this to you? Il y a un rapport avec le message d'aujourd'hui. There is a link with what I'm going to be sharing. Et le titre du message c'est un Dieu jaloux. The title of the message is a jealous God. Quand le Seigneur m'a donné le thème, when the Lord gave me this theme, je vous avoue que j'étais pas très à l'aise. At first, I wasn't really comfortable. J'ai un problème avec le mot jaloux. I have a problem with the word jealous. Et encore plus de l'associer à Dieu. And even more so to associate that word with God. Qu'est-ce que nous dit le dictionnaire sur le mot jaloux? What does the dictionary say about this word? On a quatre définitions pour le mot jaloux. We have four definitions for the word jealous. Première définition, qui éprouve un vif sentiment d'envie devant l'avantage, le succès, le bien de quelqu'un d'autre, qui manifeste cet état d'esprit, cette envie. The first definition is, jealous is a strong feeling of envy in front of the advantage, success or good of someone else, which manifests this state of mind, this desire. Là-dedans, je ne reconnais pas du tout mon Dieu. And in that definition, I really don't recognize the Lord. Deuxième définition, se dit d'un sentiment exclusif qui ne supporte pas le moindre partage. Second definition, jealous is said of an exclusive feeling that does not stand the slightest sharing. Intéressant, mais je vois pas totalement mon Dieu là-dedans. That's interesting, but I still can't really see God in that. Troisième définition, qui est très attaché à conserver ou à préserver ce qu'il possède. Third definition, who is very attached to keeping or preserving what he has. Ok, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais là-dedans. So there's good and there's a little bit of bad though in that definition too. Et dernière définition, qui manifeste chez quelqu'un le souci de défendre, de préserver ce qui lui tient à cœur. The last meaning is who can be seen in someone that is concerned to defend or to preserve what is close to his heart. Cette définition me plaît déjà un peu plus. And that definition, I prefer it more. Mais que dit la Bible? But what does the Bible say? Je vous invite à prendre vos Bibles à Exode 20,
versets 1 à 6. I invite you to open up your Bibles to Exodus chapter 20, verse 1 to 6. And we're going to read in French, so please follow along in your English Bibles. Exode 20, versets 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne serviras point. Et tu ne les serviras point, pardon. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dans le verset 5, il est dit « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » In verse 5, so we read « You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. » Dans Exode, c'est dit que Dieu dit de lui-même « Je suis un Dieu jaloux. » So in Exodus, God says of himself that he's a jealous God. Donc il y a forcément quelque chose de positif dans la jalousie qu'on n'a pas saisi. So there's obviously something positive in jealousy that we haven't really understood yet. Et ça va encore plus loin dans Exode 34, verset 14. And even further in Exodus chapter 34, verse 14. Exode 34, verset 14, il est dit, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » L'Éternel porte le nom de jaloux. It says in that verse, the Lord whose name is jealous. Je connais Yahweh. I know Yahweh. Je connais Elohim. I know Elohim. Et tous les autres prénoms. And all the other names Mais that là, we give Dieu to God. Dit qu'il porte le nom de jaloux. But in this verse, God says that his name is jealous. Donc la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. So the Bible says that God is a jealous God. Et le mot jaloux en hébreu, c'est kana, Q-A-N-A. And the word in Hebrew for jealous is the word kana, Q-A-N-A. La première fois qu'on voit le mot kana dans la Bible, c'est dans Genèse 26, verset 14. The first time that word is used in the Bible is in Genesis chapter 26, verse 14. Là où Isaac et Rebecca sont chez Abimelech. Where Isaac and Rebecca are with Abimelech. Et dans ce passage-là, on explique que Isaac est en train de récolter 100 fois plus que ce qu'il a semé. And in this passage, we read that Isaac has reaped 100 times over what he has sown. Qu'il a beaucoup de bétail, beaucoup de serviteurs. That he has a lot of servants and a lot of cattle. Et que les Philistins sont jaloux d'Isaac. And that the Philistines are jealous of Isaac. Que veut dire Cana? What does Cana mean? Cana veut dire être jaloux, envieux, être zélé, excité à une colère jalouse, provoqué à la jalousie. This word in Hebrew means envy, to be jealous, to be envious, to be zealous, to stir up to jealous anger and to cause jealousy. Quand je vois ça, je me dis mais il y a un problème là. And when I see this, I'm thinking, wait, there's a problem here. J'arrive pas à associer le mot kana avec mon Dieu. I cannot associate this word with God. J'ai donc décidé d'aller dans Exode et de voir comment était traduit le mot jaloux. Mais and lorsque Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. And so I went to look in the Bible where, in the verse of Exodus, where God says he is jealous, what word was specifically used there. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot c'est kana. And what's very interesting is that it's the word kana. Mais au lieu de s'écrire Q-A-N-A, but instead of Q-A-N-A, il s'écrit Q-A-2-N-A. It's actually spelled Q-A-N-N-A. J'ai essayé toute la journée hier de prononcer en hébreu, mais je vais vous dire comment c'est noté pour votre culture personnelle, mais je ne vais pas m'aventurer, je ne veux pas... abîmer la langue, mais Kana, Q-A-N-A, s'écrit, se dit K-A-W-N-A-W.
So I won't try to pronounce the actual Hebrew, but the phonetics for that word is K-A-N-N-A-W. Et Kana, K-A-N-A, s'écrit, se dit K-A-N-N-A-W. Okay, sorry, so that was switched. So the first Kana is K-A-W-N-A-W, and the second one is K-A-N-N-A-W. Et donc on voit là que non seulement il ne s'écrit pas de la même manière. So first of all, not only does this word that is employed for God is not spelled the same. Mais en plus de ça, il ne se prononce pas de la même manière. But it's actually not pronounced the same either. Il y a donc une signification qui est exclusive à Dieu du mot jaloux. So that means that there's a very specific meaning when God says he is jealous. It's a different word that's used. Parce que Dieu a la jalousie parfaite. Because God has perfect jealousy. Lorsque la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu jaloux, when the Bible says that God is a jealous God, ce qui est fascinant, c'est que Dieu est jaloux de ce qui lui appartient. What's interesting is that God is jealous of what belongs to him. Il n'est pas jaloux de ce qu'on a. He's not jealous of what we have. Il est jaloux de ce qui lui appartient. He is jealous of what belongs to him. C'est pas fascinant? Isn't that interesting? Qu'est-ce qui appartient à Dieu? What belongs to him then? La louange, l'adoration. Worship, praise. Ça lui est dédié exclusivement à lui. Worship is meant to be exclusively dedicated to God. Et donc à l'époque de l'Exode, c'était une période où le peuple faisait beaucoup de statues. And in the time of Exodus, it was a time where the people of God had made many statues. Réalisé beaucoup d'idoles. They had made a lot of idols. Et c'était de ça que le Seigneur était jaloux. And God was jealous of that. Pas jaloux qu'ils construisent des statues parce que c'est insignifiant. Not the fact that they actually were building things because that's insignificant. Mais jaloux parce que le culte que le peuple vouait à ses idoles était destiné à lui et non à ses idoles. But he was jealous of the fact that his people were giving worship to idols instead of to him. Imaginez un homme qui est marié ou une femme qui est mariée. Imagine a married man or a married woman. Donc un homme avec une femme avec un homme. So a man married to a woman and a woman married to a man. Petit rappel. Just a reminder. Et l'homme voit sa femme en train de flirter avec un autre homme. And the man sees his wife flirting with another man. Quel sentiment l'homme aura? What feeling, how will that man feel? Bon, étant donné qu'on est des êtres finis et qu'on n'est pas parfait, dans un premier temps, je pense qu'il aura envie de casser la figure au gars. Obviously, because we're imperfect people, I think his first reaction will be he will want to break the other man's nose. Mais on va essayer de tirer le bon du sentiment que l'homme a dû sentir à ce moment-là. But we're going to try to see the positive thing of that feeling. Ce que le gars doit ressentir, ou la femme, c'est ma propriété. But what the man or the woman would feel in that situation is, well, this person is my property. C'est avec cette personne que j'ai fait une alliance. This person is with whom I have made covenant. C'est ça la jalousie de Dieu. That's God's jealousy. C'est que le Seigneur, lorsqu'on lui donne notre vie, when we give our lives to God, on lui dit, Seigneur, je te donne tout. We say, God, I give you everything. Je t'appartiens. I belong to you. Mais est-ce que nos actions derrière tout ça? But do our actions behind that? Est-ce qu'on a l'attitude d'une personne qui commet un adultère? Do they reflect the attitude of a person that commits adultery? Ou est-ce qu'on reste intègre à ce qu'on vient de dire? Or are do we remain do we have integrity in regards to our word? Cette semaine, j'ai fait un rêve très bizarre. This week, I had a really weird dream. J'ai vraiment pas aimé ce rêve. I really didn't like this dream. Mais le Seigneur a profité de ça pour me donner une parole. But God had used this dream to share a word with me. Donc dans mon rêve, j'étais chez mes parents. In this dream, I was at my parents' house. Et il y avait une autre femme. And there was another woman. Cette femme-là désirait absolument se marier avec moi. And this woman really wanted to marry me. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. I didn't even know who she was. Et ce qui était particulier dans ce rêve, c'est que j'avais mes souvenirs
de courtship avec Rihanna. And what was weird is that I had in this dream I had memories of my time in courtship with Rihanna. Et je me disais non, je veux pas me marier avec cette femme, il y a quelqu'un d'autre. And I was thinking, no, I don't want to marry this woman I don't even know. There's somebody else in my life. Et dans mon rêve, je me souviens que c'est Rihanna, la femme que j'aime. And in this dream, I remembered that oh, it was Rihanna. Rihanna was the one that I loved. Je décide donc de l'appeler. So I decide to call Rihanna in my dream. Et Rihanna me dit, écoute David, je suis pas disponible, il faut que tu arrêtes de m'appeler. And in my dream, Rihanna says, David, I'm not available, you have to stop calling me. Et ça m'a fait pleurer. And it made me cry. J'avais tellement le cœur brisé que dans la vraie vie, Rihanna m'a dit, ça va David? And I actually really cried, and in real life, during the night, Rihanna said, are you okay, David? Et je pleurais vraiment en fait. And I was actually really crying. Ça m'a tellement fait mal au cœur. It hurt me so much. Ça m'a tellement attristé que Rihanna se détourne de moi alors que je savais que j'étais mariée avec elle. And it really hurt me so much that in my dream Rihanna had separated herself from me whereas I was married to her. Et je sens que je dois prendre mon téléphone et je commence à noter. And so I take my cell phone and I start writing things down. Bon, à ce moment-là, il doit être 3-4 heures du matin. I think it was 3 or 4 a.m. Et je me réveille, en me réveillant, je décide de prendre mon téléphone. And as I wake up, I take my cell phone. Et de lire ce que j'ai noté. And I read the next morning what I had written in the night. Voilà ce que je ressens lorsque mes enfants décident de se détourner de moi. Je suis un Dieu jaloux et ce dont j'aspire le plus, c'est d'avoir ce temps de qualité avec ma créature. Et tu es ma création. So this is how I feel when my children decide to turn away from me. I'm a jealous God, and what I crave the most is to have this quality time with my creation, and you are my creation. Imaginez la personne que vous aimez le plus. Imagine the person that you love the most in the whole world. Après Dieu, c'est cette personne qui a la deuxième place. This person is the person you love the most after God. Juste, on prend deux secondes. Pensez à cette personne-là. So just try to picture that person. Et cette personne-là vous dit, il faut que tu m'oublies. And this person tells you, you have to forget about me. Nous ne devons pas avoir ce comportement-là avec le Seigneur. We cannot have that attitude with our Lord. Nous devons comprendre que Dieu est un Dieu jaloux. We have to understand that God is a jealous God. Nous devons comprendre la jalousie de Dieu. We must understand the jealousy of God. Et on ne doit pas mettre cet aspect de sa nature de côté. And we cannot put this part of his nature aside. Comprendre que la jalousie de Dieu est motivée par l'amour. We have to understand that the jealousy of God is actually inspired by love. Si le Seigneur est jaloux, c'est simplement parce qu'il nous aime. If God is jealous, it's just because he loves us. Et à chaque fois qu'il veut passer du temps et que nous on va qu'à d'autres occupations. And every time he wants to spend time with us and we go about doing other things. Ça lui brise le cœur. It breaks his heart. Est-ce que vous voyez Dieu et vous nous voyez nous? Can you picture God and do you see us? On ne peut pas être comparé à Dieu. We can't be compared to God. Dieu qui est l'alpha et l'oméga. God that is the alpha and omega. Il décide de passer du temps avec toi. He decides to spend time with you. Mais qui on est? Who are we? Le Dieu qui est l'alpha et l'oméga désire passer du temps avec toi. God that is the alpha and omega, he decides to spend time with you. Vous vous rendez compte de l'honneur et le privilège que c'est? Can you imagine what an honor and privilege it is? Je vais le répéter, Dieu qui est l'alpha et l'oméga, désire passer du temps avec toi. God, who's alpha and omega, he wants to spend time with you. Et qu'est-ce qu'on fait de nos vies? And what do we do with our lives? Ah, la jalousie, c'est pas bien. Non, Dieu, il peut pas être jaloux, on va mettre ça de côté. Oh, jealousy is not a good thing. God's not jealous. We'll just put that aside. Le Seigneur m'a dit dans ce message, je suis un Dieu jaloux et ce dont j'aspire le plus, c'est d'avoir ce temps de qualité avec ma créature. God told me when I was preparing this message that I am a jealous God and what I aspire to the most is to have this quality time with my creation. Le Seigneur, il est désireux de passer du temps avec nous. God wants to spend time with us.
Et on doit faire attention aux idoles qui nous environnent. And we really have to be careful of the idols around us. Dans notre génération, je pense pas que ça se fasse encore, peut-être, mais d'élever des statues. In our generation, well, I don't think it really is very frequent anymore, but to actually make statues. Et s'agenouiller devant. And to bow down before them. Louer cette statue, adorer cette statue. Worship those statues. Non, aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est plus subtil. No, idolatry today is much more subtle. Je ne vais pas vous parler des réseaux sociaux, on entend tout le temps ça. I won't talk about social media because we always talk about that. Je pense qu'on a tous conscience du temps que ça nous prend. I think we all are aware of the time that it robs us. Mais un truc qui personnellement m'a touché, c'est que ma famille est devenue une idole. But something that really touched me is that my family actually became an idol for me. Comment c'est possible? C'est quelque chose de bon, la famille. How is that possible? Family is good. Oui, mais à plusieurs reprises, j'ai sacrifié mon temps avec le Seigneur pour la famille. But a lot of times, I found that I had sacrificed my personal time with God for my family. Le ministère aussi, ça peut être un idole. Ministry can be an idol as well. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le ministère, c'est pas possible. What? Ministry? That's not possible. Écoutez, on vient juste de le vivre avec Rihanna. That's exactly what we experienced with Rihanna. Pendant cette période de Covid, le ministère est devenu un idole pour nous. During this time of confinement, ministry actually became an idol for us. Qu'est-ce qu'un idole? What is an idol? Dans la théorie, c'est très simple à identifier. In practice, it's very easy to identify. Dans la pratique, c'est un petit peu plus complexe. Sorry, in theory, it's quite easy to identify, but in practice, not really. C'est un peu plus subtil, donc il faut pouvoir le discerner. It's a bit more subtle, so we have to have discernment. Mais c'est très simple. À partir du moment où ton niveau d'investissement est supérieur à celui de ta relation avec Christ, tu peux te dire que c'est un idole. But it's very simple. Basically, anything that is higher than your level of commitment to God, that becomes an idol. À partir du moment où ton niveau d'investissement est supérieur à celui de ta relation avec Dieu, c'est qu'il y a un problème. When your level of commitment is higher to that thing rather than to God, then that's when that thing has become an idol. Nous devons être à la poursuite de Jésus. We have to be at the pursuit of Jesus. Nous devons avoir ce désir ardent de poursuivre le Seigneur. We must have that burning desire to pursue Jesus. Et il doit avoir la première place en tout temps. He has to have the first place in our lives at any moment. Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer certains d'entre vous. I might say something that might shock some of you. Mais Rihanna sait pertinemment qu'elle a la deuxième place dans ma vie. But Rihanna knows very well that she has the second place in my life. Et je sais pertinemment que j'ai la deuxième place dans sa vie. And I know that I have the second place in her life. Parce que la personne qui a la première place, c'est Dieu. Because the person that has the first place is God. Dieu et lui seul. God and God alone. Personne d'autre ne peut prendre sa place. Nobody else can take his place. À partir du moment où tu laisses quelqu'un d'autre une activité ou autre chose que le Seigneur à la première place. When you start putting somebody else or an activity or anything else at the place of God, ça veut dire que tu as un idole dans ta vie. It means that you have an idol in your life. Je ne sais jamais si on dit un ou une idole. Une, merci. Que je réitère, ça veut dire que tu as une idole dans ta vie. It means you have an idol in your life. Nous devons être à la poursuite de l'époux. We have to be at the pursuit of Christ. Poursuite, le mot d'origine, c'est dalak, ça veut dire brûler. Poursuivre ardemment, allumer, enflammer. The word to pursue is the Hebrew word dalak, which means to burn, ardently pursue or ignite. Pour ceux qui s'intéressent, dalak, ça s'écrit D-A-L-A-Q. So that's D-A-L-A-Q. Donc poursuivre, c'est une action où tu dois être zélé. So pursuit is really something we have to be zealous in. C'est une action où tu es déterminé. It's an action where you're determined. Peu importe les obstacles, tu poursuis. No matter the obstacles, you pursue. C'est pas courir après un voleur et... It's not running after a robber. Non, il faut une constance, il faut une endurance. You have to be constant and endurant. Et dans notre vie, on apporte bien souvent trop d'importance à celui qui veut notre mort plutôt qu'à celui qui veut nous donner la vie. Too often in our lives, we give more importance to the one who wants us dead rather than to the one who has given us life. Il est primordial que nous poursuivons le Seigneur. It is so important for us to pursue the Lord.
C'est important aussi de se préparer pour la rencontre. And it's important as well to prepare yourselves for this encounter. Le jour de notre mariage avec Rihanna, on n'est pas arrivé en basket, short. The day of our wedding, Rihanna and I didn't come just in shorts and tennis shoes. On n'a pas décidé la veille de se marier et puis le lendemain on est parti demander au pasteur de nous marier. We didn't decide the evening prior to the wedding to go get married the next day and go see the pastor and get his blessing. Non, on a organisé les choses. No, we planned things out. On s'est fait beau. We made ourselves all pretty. On a fait en sorte d'être le plus de faire ressortir la plus belle partie de nous-mêmes. We tried to make ourselves the most beautiful we could be. Et dans 2 Corinthiens 11, 2, and in 2 Corinthians chapter 11, verse 2, dans 2 Corinthiens 11, 2, Paul dit: j'éprouve à votre égard autant de jalousie que Dieu. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Il faut qu'on se prépare pour être sans tache ni ride. We have to make ourselves ready to be with no wrinkle or spot. Nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. We have to prepare ourselves to meet our spouse. Et cette préparation se passe dans le temps personnel avec lui. And this preparation is in our personal time with him. Chose intéressante, c'est que le mot jalousie dans 2 Corinthiens. What's interesting is that the word jealous in the verse in 2 Corinthians. C'est zélos. Is the word zealous. Qui s'écrit zelos. Qui s'écrit Z-E-L-O-S. Z-E-L-O-S. Qui veut dire zèle, ardeur dans l'étreinte, la poursuite, la défense. Which means zeal, ardor or fervor in the embrace or grasp, the pursuit and the defense. Intéressant qu'il y ait la poursuite dedans. It's interesting that there's the word pursuit. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que pour se préparer, pour se être présentable au Christ, il faut le poursuivre. What I understand in that is, in order to prepare ourselves for the Lord's coming, we have to pursue. Il est primordial qu'on se prépare pour le Seigneur. It is so important for us to prepare ourselves for the Lord. De prendre un temps avec lui chaque matin. To take a moment with him every single morning. J'ai l'impression que c'est des choses qu'on entend tout le temps. I have a feeling it's something we say all the time. Mais aimons-le en action et en vérité. But let's really love him in truth and in action. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Our God is a jealous God. Il t'aime. He loves you. Il veut passer du temps avec toi. He wants to spend time with you. Tu regarderas ta série plus tard. You'll watch your TV show later. Le Seigneur nous aime. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? The Lord loves us. Can you picture that? C'est devenu quelque chose de trop théorique. It's become something so theoretical. C'est pas juste une belle histoire. Le Seigneur nous aime profondément. It's not just a nice story. The Lord loves us so much. Et vous savez, lors de ce rêve, quand j'ai senti Rihanna avoir du rejet à mon égard. And you know, in this dream where I saw Rihanna reject me. Je me suis tout de suite repenti. J'ai dit, Seigneur, je veux pas te faire vivre ça. And I right then and there I repented and I asked God, I don't want to make you feel that way. Ça fait trop mal. It hurts too much. Et moi j'ai juste vécu ça dans un rêve avec Rihanna et dans un rêve. And I only experienced this in a dream in regards to Rihanna. Imaginez le nombre de personnes qu'il y a sur terre qui se détournent de Dieu. Can you imagine the number of people on the earth that actually turn away from God? Vous pouvez imaginer la tristesse qu'il ressent? Can you imagine the sadness he feels? Parce qu'il a pas des enfants qui lui donnent sa vie mais qui font l'inverse de ce qu'ils disent. Because there are some of his children that give their lives to him but then that do the complete opposite. Ils ont un emploi du temps tellement chargé qu'ils ont plus de temps pour lui. They have such a busy schedule that they don't have time for him anymore. Dieu veut une épouse fidèle. God wants a faithful wife. A faithful bride. Et quel homme, quelle femme sur terre voudrait être avec une personne infidèle? And who on earth would want to be with a spouse that's unfaithful? On a plein d'exemples dans la vie de ce que Dieu veut avec nous.
We have so many examples in life where of what God actually wants to have with us. Et nous devons prendre le temps. And we have to take the time. De prendre du temps avec le Seigneur. To take the time for the Lord. Vraiment, je veux vraiment vous exhorter ce matin. Il ne faut pas que ce soit juste un beau message. I really want to encourage you this morning. This isn't just supposed to be a nice message. Il faut que cette parole pénètre au plus profond de notre être. This word has to penetrate in the depths of our soul. Et que ça devienne quelque chose de réel dans nos vies. And that it must become something real in our lives. Dans Apocalypse 3:16. In Revelation chapter 3 verse 16. Apocalypse 3:16, il est dit: ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. God says I would spit you out of my mouth if you are lukewarm. Je pense qu'on veut tous être bouillants pour le Seigneur. I think we all want to be burning for the Lord. Amen. Ça semble être le choix logique. It seems to be the logical answer. Mais si on se lance à la poursuite du cœur de Dieu. But if we really go and pursue the heart of God. Qu'on se lance à 200%. That may we really go 200%. Qu'on fasse pas de demi-mesure. May we never be go halfway. Pas de compromis. No compromise. Il doit avoir la première place dans notre vie. He must have the first place in our lives. Et en plus de ça, notre relation avec Dieu est vitale. And not only that, but our relationship with God is actually vital. Elle est vitale parce que, en plus de vouloir passer du temps avec le Seigneur, it's vital because not only do we want to spend time with God, on a une responsabilité dans ce pays. We actually have a responsibility in this country. En tant que chrétiens, nous avons une responsabilité dans notre pays. As Christians, we have a responsibility for our country. Et pour répondre à cette responsabilité, nous devons passer du temps avec le Seigneur. And to respond faithfully to this responsibility, we have to spend that time with God. Un verset que le pasteur Jean-Pierre cite souvent, c'est 2 Chroniques 7:14. A verse that Pastor Jean-Pierre quotes often is 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. I will heal their land. Ce verset, il est très simple. This verse is very simple. C'est comme suivre une recette de cuisine. It's just like following a recipe. Si on invoque son nom, if we call his name, si on le prie, si on cherche sa face, if we humble ourselves and pray, si on se détourne de nos mauvaises voies, if we seek his face and turn from our wicked ways, le Seigneur nous pardonnera nos péchés, the Lord will forgive our sins, et il guérira notre pays, and heal our land. Je veux pas faire de raccourcis. I don't want to make this short. Mais aujourd'hui, on vit une épidémie. But today we're living a pandemic. Et je veux pas dire qu'on est responsable à 200% de cette épidémie. And I'm not saying we're 100% responsible for this. Mais ça commence à faire trop longtemps que ça dure. But it's been lasting too long. Et je pense sincèrement que And I sincerely think, believe, il y a un problème dans les églises avec l'intimité de Dieu. That there's an issue in churches with our intimacy with God. Je crois que cette épidémie serait vraiment raccourcie. I think that this pandemic would actually be shortened. Si chaque chrétien saisissait que nous avons un Dieu jaloux. If every Christian would seize this this fact, this truth that God is a jealous God. Qu'il a ce désir de passer du temps avec nous. That he has this desire to spend time with us. Et qu'on cherche sa face. And that we seek his face. Je crois que si on mettait tout ça en place, notre pays serait guéri. I think that if we all did this, our land would be healed. Parce que le Seigneur, c'est pas un menteur. Because God is not one to lie. Quand il dit quelque chose, il le fait. When he says something, he does it. Et au début de mon témoignage, je vous ai partagé que je recevais Créana serait enceinte avant la fin de l'année. And as I was sharing at the beginning of the message, I had heard from God last year that Rihanna would be pregnant by the end of the year. Et effectivement, elle a été enceinte avant la fin de l'année. And that's exactly what happened. Et dans quelques semaines, on verra cette rencontre avec cet enfant. And in a few weeks, we're going to meet this child. Quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait.
When God says something, he does it. S'il y a du doute dans ta tête, if there's doubt in your mind, c'est que t'as ouvert la mauvaise porte. It's because you opened the wrong door. Il n'y a pas de plan B avec le Seigneur. There's no plan B with the Lord. Quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait. When God says something, he does it. Et juste pour ma culture personnelle, j'ai écrit cette phrase, nous devons être à la poursuite de son cœur. And while I was preparing this message, I just wrote this sentence down. We must be pursuing his heart. Et je me suis dit, tiens, ça veut dire, comment on dit cœur? Quelles sont les significations du mot cœur en grec? And I was just curious to know what the meaning of the word heart is in Greek. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le mot cœur, il y a aussi la notion souffle de vie. And what's interesting is that in the word heart, there's also the notion of the breath of life. La force vitale qui anime le corps et se montre dans la respiration. It's the vital force that animates the body and shows itself in our breathing. Voilà ce que le mot cœur signifie. That's what heart means. En passant du temps avec le Seigneur, when you spend time with the Lord, en étudiant sa parole, when you study his word, en le louant, en l'adorant, when you worship him, when you praise him, en répondant à son désir qui est de passer du temps avec nous, when you respond to his desire of spending time with us, le Seigneur insuffle la vie en nous. God breathes life into you. Il me semble que c'est dans Matthieu que lorsque Jésus est tenté, il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu a écrite. I think in Matthew, when it tells the story of when Jesus is tempted, Jesus says that man would not live of bread alone, but of every word that comes out of the mouth of God. Dans la parole de Dieu, on a déjà tout le mode d'emploi. In the word of God, we already have everything we need. Il nous a tout donné, on a rien à faire en vrai. He's given us everything. We don't have to do anything more. Nous devons simplement appliquer avec conviction. We just have to live it out with conviction. Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît. I'm going to ask you to stand up please. Prenons la décision aujourd'hui. Let's make that decision today. De répondre au désir d'Elkana. To respond to the desire of Elkanah. Le Dieu jaloux. The jealous God. Il est vital pour nous. It is vital for us. Mais aussi pour notre pays. But also for our country. Pour que Elkanah insuffle la vie. So that Elkanah would breathe life. Il n'y a pas d'appel à l'autel aujourd'hui. There won't be an official altar call today. Mais si c'est possible, Pasteur Jean-Pierre, qu'on prenne 2-3 minutes. But if we could just take 2 or 3 minutes pour juste faire un bilan sur notre vie. To just review our lives for a second. Et essayer de voir où Dieu est placé, à quelle position le Seigneur est placé. And try to see where we have placed the Lord. Il faut que l'on rentre dans cette saison de repentance. We have to enter into this time of repentance. On a cette chance d'avoir un Dieu qui nous pardonne tous nos péchés. We have the chance to have a God that actually forgives our sins. Même les choses que tu n'as jamais dites à personne. Even things that you've never said to anyone. Il les connaît. He knows them. Et il veut te pardonner pour ça. And he wants to forgive you for that. Tout ce qu'il veut, c'est te serrer dans ses bras. All that he wants to do is just take you up in his arms. Et te dire, enfin mon fils, ma fille. And say, finally, my daughter, my son. Ça fait tellement longtemps que je t'attends. It's been such a long time that I've been waiting for you. Où est-ce que t'étais tout ce temps-là? Where were you all this time? Viens dans mes bras. Come in my arms. Et reçois tout mon amour. And receive my love. Alléluia, Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Lord, I want to thank you for your word. Seigneur, je te demande pardon. Lord, I want to say I'm sorry. Je te demande pardon du plus profond de mon être. I repent from the depths of my being. Pour tous ces moments où j'ai détourné mon regard de toi. For all those moments where I looked away from you. Seigneur, le désir de mon cœur aujourd'hui.
Lord, the desire of my heart today, c'est vraiment de me reconsacrer à toi. Is to really dedicate myself to you again. De veiller à ce que personne ne puisse prendre ta première place. And make sure that nobody ever takes your place again. La place qui t'est due. The place that belongs to you. Merci Seigneur parce que tu nous laves et tu nous purifies maintenant. Thank you Lord because you wash us clean right now. Merci Seigneur parce que tu prends ces quelques semaines pour nous préparer pour le jeûne de Daniel. Thank you because you're going to take these next few weeks to really prepare us for the Daniel fast. Et que pour ces deux prochains mois, Seigneur, tu puisses opérer un changement, une transformation dans notre cœur. And I really pray that in the next few months you really transform our hearts. Et tu nous permets de saisir ta jalousie qui est parfaite. And help us understand your jealousy that is perfect. Dans le nom de Jésus, je prie. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Merci pour votre écoute.